Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nail Art. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de un petit peu pop, un petit peu très. Aujourd'hui, ça va être quelque chose assez printanier, assez pastel. Voilà, j'avais envie de quelque chose de très pastel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on se sert du tampon clear, donc c'est-à-dire le tampon transparent. Donc je vous montre tout de suite déjà de ce que vous avez besoin. Moi, j'ai utilisé deux vernis de la marque Miscope qui sont dans la collection Les Dragées, à savoir, donc pour le plus clair, c'est le numéro 1 de le rose et le plus foncé, c'est le violet numéro 2. Vous aurez besoin d'un vernis violet pour spécial stamping qui est de la marque Laura Clovy qui est le numéro Deep Purple, qui est le numéro 12 de Deep Purple pour le stamping. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous aurez besoin d'un tampon clear où on voit à travers. De sèche-vite, d'une plaque de stamping. Donc celle-ci, c'est la gamme Princesse de chez Mouyou et c'est la numéro 09. Et vous aurez besoin d'un petit scrapper. Donc dans un premier temps, donc j'ai verni mes ongles avec le numéro 1 pour ces ongles-ci et le numéro 2 sur les deux ongles ici où on va faire le stamping. Donc nous, la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-ci avec les étoiles. Donc dans un premier temps, on va venir nettoyer la plaque avec un petit peu de dissolvant. Ensuite, on va venir passer un petit coup sur notre tampon. Donc pour ça, j'utilise un petit rouleau qui est exprès pour enlever les petites pluches sur les vêtements. Donc moi, celui-ci, j'ai acheté un lot de 3 chez Action. Donc on vient passer. On vient passer en fait sur la tête du tampon juste pour le nettoyer. Ensuite, je viens prendre mon vernis à ongles. Je viens préparer mon scrap. Je viens prendre mon vernis à ongles spécial stamping pour violet de chez Laura Clovy que je viens mettre sur le motif. Je viens prendre mon scrapper et j'enlève le surplus. Je viens prendre mon clear, je stampe. Donc le motif est sur mon clear, comme vous pouvez le voir. Donc je viens nettoyer en fait le pourtour, ce qui dépasse avec mon rouleau, vous voyez. Donc ce que je ne vais pas avoir besoin d'utiliser, je viens juste passer le rouleau. Voilà, et il ne me reste que mon motif. Donc j'ai passé mon petit rouleau et il ne me reste sur mon clear que le motif. Donc moi ce que je veux en fait c'est le poser sur le bout de l'ongle. Donc on vient prendre l'ongle, on vient prendre le stamping et on vient placer le clear juste où vous voulez puisqu'on voit à travers. Vous voyez, on voit à travers. On voit à travers. Donc il suffit juste de placer le motif où vous voulez sur votre ongle. Donc voilà ce que ça donne. Le motif n'est plus sur le clear, mais est sur l'ongle. Donc, on vient repasser un petit coup sur le clear. Et voilà, c'est propre. Donc, pour l'autre doigt, on va faire la même chose pour l'autre doigt, avec un autre motif de la plaque. Donc, on vient nettoyer sa plaque. Donc j'ai envie d'utiliser petites étoiles avec cet angle-là pour pouvoir le mettre en fait ici dans l'angle de l'ongle. Donc je viens mettre du vernis sur mon motif. Je viens passer un petit coup de stampeur, de scrapper. Et j'attrape mon clear jelly, je stampe. Le motif est sur mon clear. Je viens nettoyer ce que je ne veux pas qu'il apparaisse sur l'ongle. Et je viens transférer. Toujours le même système de transparence. Et voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à passer une petite couche de sèche-vite. Et c'est terminé. Voici une manucure très très simple à réaliser et avec le tampon au clear, c'est vraiment très pratique de pouvoir placer les motifs où vous le voulez.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.